Fidanta. C'est les copains, Saint-Germain, le clocher, une bonne ambiance. Quoi. Une bonne bande de copains de village. Donc, c'est une sortie le dimanche quand il fait beau parce que moi le foot j'aime pas ça. Attends, j'ai pas préparé moi. C'est fait exprès. C'est une bonne bande de copains, de copines. L'étoile, c'est une partie, une tranche de ma vie. Des petits qui se démènent dans tous les sens pour faire vivre le pays. Tout beau souvenir. Quand était champion junior, cadet, au-dessus des cadets, c'est senior, avec le Vigan là, il était champion du dos toi. Lorsqu'on a été en demi-finale championnat du Lot cadet, on a perdu malheureusement, mais on avait une très bonne équipe, on a perdu au pénalty, ça c'était très bien quoi. Plus beau souvenir. Moi j'en ai des sauts entiers, c'est des repas du foot souvent. J'ai joué une fois à Cusance, je me suis cassé le nez, j'ai pris un carton rouge. Mon plus beau souvenir, c'est quand j'avais marqué avec ma soeur Alex. C'était un match où Guy était venu nous chercher en fait. Il était venu nous réveiller à la maison. Mon plus beau souvenir, probablement. Un match de la Une contre l'Albanque. Je me suis déplacé et j'ai vu les petits se démener comme des fous contre une équipe qui était plus forte, mais pas dans le cœur. J'ai marqué un but, ouais. Je sais pas trop, attends, j'y réfléchis. Si, ça. Oh, je ferais ça, ouais. Je le célèbre avec les copains, parce que souvent on voit à la télé les gars qui marquent un but et qui s'en vont au point de corner, ça j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, sport, c'est, le foot c'est un sport d'équipe, alors. Je le célèbre avec les copains. Ah. Moi j'ai jamais marqué, alors je sais pas comment on fait. Célèbre ton but. J'ai marqué. Ouais, ouais, j'ai marqué. Et je crois que j'ai demandé à Delphes de montrer son cul. Bah là, je marque plus vu que je joue plus, mais quand je marquais, je me touchais la chatte. Je te fais un salto arrière, une pirouette avant,
un trois quarts retourné et je te montre mes fesses. Ah, j'avais un rêve fou, ben, c'est de gagner au lot. L'euro million, on refait un stade. Voilà. Ok. Gagner un titre qu'on ne gagnera jamais, un titre d'aller en finale à la Coupe de France. Pourquoi pas, faire aller très loin en Coupe de France. Ah, un rêve fou pour l'étoile, que ça pourrait être. Trouver un gros club en Coupe de France. Et remettre de l'herbe par le milieu du terrain. C'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est faisable, mais ouais, ça paraît... Elle a de gagner le championnat de France. Championnat de France. 32e de finale. Ouais. Je répète, on fallait pas perdre. Allez les bleus. Moi, faut que je me retienne. Bon, une phrase que tu répètes au foot. Allez les bleus. Ballon, ballon. De nos pieds tu t'envoles. Ballon, ballon, au bord du Séoul. Ballon, ballon, nous irons boire un coup. Ballon. Il y a de la balle, il y a la balle dans les filets. Ouais, les bleus et blancs de l'étoile de Saint-Germain, ça, c'est la meilleure. On t'écoute. Allez, allez, les bleus et blancs de l'étoile de Saint-Germain. Nous, on joue pas avec nos petites mains. Nous, on préfère la toucher avec les pieds. Allez, allez, les bleus et blancs. Mais non, Saint-Germain n'est pas mort. Mais non, Saint-Germain n'est pas mort. Car il bande encore, car il bande encore. Ah, l'Espagne. L'Espagne. L'Espagne, voilà. Alors là, je vois les macaronis, les Italiens. Ils sont pas loin. Le Brésil. L'arbitre de tout, je crois qu'il va avoir les mains. À quoi au foot? Il y a le mondial en 2014. Oh, j'en sais rien. L'Espagne ou le Portugal, pas un des deux. La France, bien sûr. Je m'appelle Christian Pizzuto. Je peux te dire que ça va être l'Italie, petit. Je n'ai plus rien à dire. Champion du monde. Champion du monde. Ça te fait penser à quoi? T'as des souvenirs de cette photo? Ouais, le Stade de France, tout ça, ouais. 98, ouais. Ça m'évoque 98. J'étais à Paris lors de la finale. Non, même pas, c'est 98. J'étais sur les champs. Je me rappelle d'être resté à Paris. J'avais vu les quarts et les demi à Paris. J'étais resté en finale voir l'ambiance et j'ai pas regretté parce qu'après je me suis promené sur les champs. J'ai fait nuit blanche, et c'était très très grand. J'étais à l'armée. Ah, alors je t'écoute. Je suis pas en 86. 98. 98, donc j'étais pas à l'armée, merde. En 86, c'est quand ton père. 98, ça m'évoque... Ah ben, j'ai joué encore au ballon, hein. J'étais beaucoup plus jeune. Non, un grand grand souvenir. Ouais, j'avais pris une grosse crêpe à grand. C'est peut-être la seule fois de ma vie que j'ai aimé autant le football. On était à Nice, on a fait chez mes grands-parents. On avait
On avait fait toute la préparation à la Coupe du Monde dans le Lot. On allait dans le bar à Saint-Projet. Et pour le jour de la finale, on était à Roquefort-les-Pins chez mes grands-parents. Et on a fait le tour de Valbonne. On avait trinqué avec mon parrain et ma tata au champagne. Donc voilà, c'était bien. Non, c'est un chouette souvenir. Ça m'évoque un grand souvenir. Je pense que je n'ai pas connu un jour de l'an, un Noël ou n'importe quelle fête qui a été semblable à celle-là. Ok. To you, don't waste your time.